à moi, Seigneur, entends ma prière. Vois ce monde que tu as créé, vois ce qui est devenu. Nous attendons notre Sauveur, Seigneur, et nous nous tournons vers toi. Nous attendons l'élu. C'est lui qui nous délivrera du mal. Fais qu'il soit encore plus brillant que l'astre du jour, plus pur qu'un agneau, et que sa crinière longue et soyeuse brille de mille feux sacrés de votre infinie gloire. Et tous ensemble, Seigneur, chantons les louanges de Jacques Mulet. Jacques Mulet, notre Sauveur. Fond des âges, Seigneur, des temps les plus anciens, chantons les louanges de Jacques Mulet, notre sauveur. Cet accueil.
Incroyable. On va quand même présenter l'équipe. À la basse, je pense que vous avez reconnu Francis Awanabi. Gros niveau, nouvelle paire de lunettes. À la batterie, José Bonardel avec les caches-soleils sur le côté. À la guitare, Jackie Mulet. Merci. Bon, vous êtes donc là pour une soirée culturelle, hein, évidemment sur le thème du jazz rock, fusion instrumentale, cosmique, héros, made in Provence. Un truc du genre en tout cas. Et nous, on va vous présenter ce soir un spectacle en devenir qui s'appellera The Real Life of Mr. Jackie Mulet. La vraie vie de Monsieur Jackie Mulet. Spectacle, peut-être même un nom d'album, peut-être, voilà. Donc il y aura parfois entre les morceaux des petits instants de vie, des petites scénettes de la vie de ce personnage que j'incarne physiquement, Jackie Mulet, sous forme audio donc, et parfois il n'y aura rien. Donc à ce moment-là, je vous solliciterai comme on fait dans les concerts de rock habituels, en vous réclamant des ambiances artificielles à base de « ça va, dis !» Dans mon esprit, ça devait rater. Sinon il y a le fameux « faites du bruit !» Bon, ben si ça marche, on fera ça, alors. Ça, tout le monde sera OK. Ça marche ? Des questions ? Bon, ça va bien se passer. Ayez quand même conscience que ce spectacle, ce dont on parle, là, c'est encore à l'état embryonnaire, à l'état artisanal. Hein, voilà. D'où la forte probabilité de rater et autres foirades. Voilà. Le prochain morceau s'appelle « L'amour propre ».
Merci. Gros dossier là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Vous voulez faire un disque? Bon, j'ai envie de dire, ça tombe bien, je suis producteur. Déjà là on est bon. Mais bon, c'est n'importe quoi là. Vous avez vu votre look, vous foutez de ma gueule. Le vert fluo, la coupe de jeu à MacGyver. On n'est plus en juin 93, monsieur là. L'OM ne gagnera pas la coupe d'Europe cette année, monsieur Mullet. Hein, les Renault 19, c'est fini. Le tuning, c'est passé de mode, c'est mort tout ça. Je suis désolé de vous décevoir. En plus là, je lis votre dossier, vous faites du quoi? Jazz, rock. Et mental, instrumental, jazz rock, d'accord, jazz rock, instrumental, fusion. Il y avait plus compliqué, monsieur Mullet, ou pas? Hein? On parle tous les deux, là. Il y avait plus compliqué, ou pas? Pourquoi vous chantez pas, monsieur Mullet? Chantez, il faut chanter, c'est bien. Allez, chantez. 3, 4. Oh, putain, c'est pourri. En plus, ça marche pas avec ses lunettes. On est dans une impasse, là, monsieur Mullet. On est vraiment dans une impasse, hein. Il n'y a pas grand-chose, si, oui, éventuellement la pochette d'album pourrait nous sauver, là, hein. Mais il va falloir être accrocheur, hein. Là, il va me falloir faire un truc, hein, sympa, moins 50% illimité, hein. Ou les deux, même. Puis, mettez un peu de 3D, ça, la 3D, c'est bon, ça, aujourd'hui. Les jeunes, ils aiment bien, ça, Avatar, tout ça. Et du bio, ça, c'est pour les vieux, ça, hein. Sur le 50 et plus, sur un créneau, quand même, on négocie bien avec le bio, hein. Ça, c'est, ça marche bien, hein. J'essaie de vendre votre disque, monsieur, voilà ce que j'essaie de faire, monsieur Mullet. Donc, il nous faudra un symbole accrocheur, hein, un symbole fort, mais quelque chose de grand, quelque chose qui va marquer les esprits. Un pouce, comme sur le camembert bien vu là, vous voyez celui à 0,70 à Leader Price, le même. Ça c'est pouvoir d'achat, ça marche, monsieur Mullet, le pouvoir d'achat. Hein, voilà. Et puis le pouce, c'est fédérateur, hein, il va falloir le montrer sur les photos, hein, sur scène, de partout. Et puis vous êtes guitariste, vous allez jouer avec votre pouce, hein. Si, vous allez jouer avec votre pouce. Vous vous démerdez. Je veux voir ça. Allez. Thank you.
Putain, c'est dur. On va trouver des excuses. Il fait chaud. Bon. Prochain morceau, il est dédié à une personne qui m'aide beaucoup pour toutes ces conneries, les tenues vestimentaires, les chorégraphies, tout ça, qui m'encourage même. Cette personne est dans la salle ce soir, mais elle est trop timide pour que je puisse vous la présenter. Elle s'appelle Elsa, elle est assise là-bas et elle tient l'appareil photo. Coucou chérie! Et c'est pas une blague, c'est la vérité, ce morceau lui est dédié, ça s'appelle Zaz. Et ben merci pour ce que tu fais, voilà, c'est tout. Thank you.
Merci beaucoup. À partir de maintenant, je m'excuse, parce que ce qu'on va faire, c'est mal. C'est-à-dire qu'on va reprendre des morceaux qui existent déjà, et on va les massacrer. C'est une de nos activités favorites. Et ça commence tout de suite avec un morceau qui s'appelle Calling You, qui est issu du film Bagdad Café. Thank you.
allô, monsieur Mulet, le producteur Letterman d'Albertude à l'appareil. Bon, là, c'est fabuleux, là, j'ai envie de dire, là, on est très très bon. L'album se vend comme des flippins. On est sur du 25% de part de marché, on en a vendu 87 millions, rendez-vous compte. On est à 100 milliards de vues sur YouTube, hein, ce qui nous fait 13 ou 14 fois la population de la Terre. Je sais plus bien, je n'ai jamais été très bon en calcul. Mais on est numéro 1 au Japon, hein, c'est pas ça, numéro 1 au Japon, ça c'est fabuleux. On est vraiment au top. Vous avez eu raison de me faire confiance, monsieur Mulet, hein. Vous avez eu raison, vous voyez, ça paye un jour ou l'autre. Hein. Bon, par contre, il y a la blondasse là, comment ça s'appelle ? Britney Spears. Elle est pénible, je vais vous le dire, franchement, elle est pénible, elle arrête pas de nous appeler, elle veut faire un duo avec vous, enfin, elle est amoureuse, elle vous veut, quoi. Donc, il faut que vous passiez au bureau pour régler ça, hein. On va voir ce qu'on peut faire, rappelez-moi plus vite, là, et entre nous, monsieur Mulet, les gens pour la R19, là, hein, vous allez pouvoir vous les payer, finalement, vous voyez, hein, les 15 pouces. Bon, allez, salut l'artiste.
qui met l'original ici? Ah, bon, ça va. Pardon encore. Un morceau plus obscur qui parle des méchants dans Walt Disney, avec le plus pire et le plus méchant des méchants de Walt Disney. C'est lequel, d'après vous? Buzz l'éclair. C'est Jafar. Bonne réponse, mais tu connaissais déjà le morceau, donc ça compte pas. Alors Jafar. Ça s'appelle Jafar's Revenge. Normalement, ça fait peur quand on le dit, mais moi, j'ai aucune crédibilité. Thank you.
beaucoup. Bonjour, monsieur Mulet, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, je viens de recevoir le résultat des examens, le scanner, l'IRM et puis les analyses complémentaires. Et je dois vous dire que vous êtes atteint d'une jachyte aiguë. Donc la jachyte se manifeste par une excroissance de la capillarité sur la partie nucale, la perte de toute objectivité esthétique et un penchant évident pour le mohégan. Vous avez aussi une attirance anormale pour les objets de couleurs vives, notamment le vert fluo. Des attitudes excessives, une perte de contrôle, des mouvements absurdes, puis un refus chronique de tout changement, ainsi qu'une persistance à demeurer dans une époque passée. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun traitement connu. Évidemment, le pronostic vital serait engagé, monsieur Mulet, si vous ne réagissiez pas très vite. We'll be right back.
Jacqueline n'est plus. Jacqueline est comble. Et les muses pleurent en ce jour funeste. Et ta perte sonne comme le glas implacable de notre misérable condition de mortel. Jacqueline n'est plus. Jacqueline est comble. Et les muses pleurent en ce jour funeste. Oui, les muses crient Jacqueline. Et leur plainte se confond en un chant douloureux aux accents mortifères. Jacqueline n'est plus. Jacqueline est comble. Et les muses pleurent en ce jour funeste. Quid de tes envolées lyriques, de tes sweepings ravageurs et de ta nuque longue qui te hissait naguère à l'égal des dieux olympiens et faisait le bonheur des coiffeurs coloristes. Jacqueline n'est plus. Jacqueline est comble. Et les muses pleurent en ce jour funeste. Tout comme nous, Jacqueline. Tout comme nous, Jacqueline. Tout comme nous. In nomine Patris, in saecula saeculorum, présentement, je vous demanderai à vous, public, qui partagez notre deuil atroce, de suivre rythmiquement parlant les acolytes musicaux du défunt Jacqueline. Accompagnons-le dans l'au-delà avec Francis et José et leur claquement des doigts.
j'avais dit que c'était de l'artisanat local. Évidemment, il y a un truc qui a foiré, c'est les ailes en fausse plume en plastique. Voilà. J'ai arraché la sangle, en fait, et ça aurait pas été le même morceau. Mesdames et messieurs, à la basse, vas-y, montre comme t'es beau en réalité. En plus, c'est un beau gosse. Sergio Armanelli. Par contre, la moustache, oui, c'est une vraie. Hein. Elle date de tout à l'heure. Mathieu Bonnardel. Et moi, je m'appelle Simon Depi. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. Alors, comme il est coutume de faire, parce que c'est les Jams Live, on va inviter maintenant des amis à nous rejoindre sur scène pour un dernier petit morceau, tous ensemble, en guise de rappel. Donc, David, si tu veux bien te donner la peine. David ! Voilà, après. Ouais, bon, on va, pendant que tous les copains se branchent et s'installent, quelques. Un petit mot, enfin déjà quelques remerciements. Premier remerciement, je pense tout de suite à Eric. Et j'ai envie de le remercier pour sa confiance, la confiance qu'il nous fait en nous programmant ici. Et l'honneur, quand on voit l'affiche qu'il y a eu ces dernières années, le travail que ça demande. Et bien sûr, toute son équipe, les gens qui travaillent avec lui, je ne me rappelle pas de tous les prénoms, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de cet événement. Et puis, remercier aussi les copains, les amis, ceux qui nous suivent sur les concerts et qui se gâchent des concerts à prendre des photos, à faire des films, voilà, toujours la même bande. Merci les amis. Et bien sûr les gens qu'on ne connaissait pas ce soir et qui sont venus. C'est classe, vous êtes allés voir des vrais gens faire de la vraie musique en vrai, quoi, dans la vraie vie. Et ça, c'est classe. Oui, on était en 3D nous aussi ce soir, tu as raison de le signaler Sergio, on était en 3 dimensions. Donc bravo à vous, messieurs dames. Je fais un peu le petit moment de pub. Tout à l'heure, dans la pension, on parlait d'un fameux disque en 3D, bio illimité, moins 50%, avec un pouce et tout. Ben, ce disque-là, il existe, en fait. Voilà. Et vous pouvez le repartir avec ce soir, si ça vous branche, pour un prix tout à fait raisonnable de 7 euros. 7 euros ou moins. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit. On fait 7 euros ou moins. Négociable avec ce que vous avez sur vous. C'est ça, ouais, voilà, pensez à revenir demain, ceux qui sont là, il y aura encore un super concert. Est-ce qu'on est prêt? Moi je pense qu'il manque un petit détail sur David pour qu'il puisse jouer avec nous. Ça il l'avait pas prévu par contre. Par là, merci à Stéphane Forté qui était là hier. Et merci à tous les gens qui sont pas venus et qui nous regardent sur Internet. Ta mère va faire de super photos ce soir. Allez, dernier petit massacre.
serait bien de vouloir encourager notre ami David. Accueillir tout jeune. Tout jeune guitariste local, petit guinois. 14 ans, 13 ans, je sais plus. Allez, on encourage Tanguy. Tanguy à la guitare. Bravo. Dernier jammer de la soirée, mesdames et messieurs, veuillez bien accueillir Jean-Pierre.
Dès le début en fait. Bon. La vérité vraie, c'est qu'on en a plus en fait. Là, c'est pas une blague pour le coup. Alors, ce que je veux bien faire, c'est vous laisser choisir le morceau que vous voulez en fait. La numéro 12. Donc, on en a fait que 10. Ok, ça s'est éliminé d'office. La bottom de la pomme. C'est pas de quoi, c'est pas faire. Bon, on va faire celle que j'ai la plus ratée, The Power of Jackie. We'll be right back.
Voilà. Bon, on va arrêter là, on va pas refaire tout le concert une deuxième fois. Vraiment, merci beaucoup. Et à une prochaine, j'espère.